أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Voilà, ça on voit mieux là. J'ai ici avec moi depuis quelques années que j'avais acheté aux enchères le Coran de Mahomet, Al-Qur'an, mais il n'est pas de Mahomet, hein, c'est la parole de Dieu. Mais on ne va pas en vouloir à ceux qui ont écrit ça. Malgré que la personne, elle l'a traduit. Donc, mais comme il devait suivre un petit peu le cours de l'époque, donc voilà, hein, c'est l'écriture d'origine de l'époque, 1649, le Coran de Mahomet, de l'arabe au français, hein, François, on parlait comme ça à l'époque, hein, bah, par le sœur de Rieur, que tout le monde connaît, hein, à Paris, chez Antoine de Sommaville, avec privilège du roi, 1649. Parce qu'il faut avoir l'autorisation du roi, hein, littéralement. Vous ne faites pas des choses comme ça. Hein. Donc, ce que je peux vous faire montrer, c'est un peu le livre. Le sommaire de la région des Turcs, à l'époque, on appelait ça comme ça, les Mahométans, hein, les Turcs. Et voilà ce que je voulais faire vous faire passer. Donc, il parle, vous voyez, il marque, là, il a Mohammed Rasulallah. Mais eux, à l'époque, ils disaient Mehmet Rasulallah. Parce qu'en fait, il était ambassadeur de Turquie. La personne, il parlait l'arabe turc. Si vous voulez, façon de parler, c'est façon. L'arabe ottoman. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, Mahomet, son prophète et son apôtre. Voilà, donc c'est pour vous faire montrer. Puis le texte en lui-même, c'est en vieux français. Hein. Craignez Dieu, il est grief en ses châtiments. Et il vous est défendu de manger de la charogne, du sang, de la chair, du pourceau. Voilà, donc, il faut savoir que c'est du Dieu français, on parlait comme ça. Là, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, louange soit, vous voyez le soit, on dirait un F, mais c'était ça. À Dieu, créateur du ciel, de la terre, des ténèbres et de la lumière, ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, vous deux voinez, de noyer, et en fait, c'est pas de noyer, hein, c'est lui, vous devinez, c'est lui qui a créé du limon de la terre et ordonné un temps précis, hein, c'est pas préfixe, pour votre mort, et ainsi de suite. Hein, vous voyez tous les versets, voilà. Donc, c'est, il date de 1649, c'est l'une des premières traductions, c'est la première traduction, du Coran en langue française, qui a eu beaucoup de traductions, mais qui ont été faites en latin. Celle en latin date du XIIe siècle. J'ai pas trop les moyens de me la payer. Je l'ai en PDF que j'ai pu récupérer chez Gallica. Mais ça, c'est l'une des premières versions. Vous voyez, il a presque 300 ans. Hein, 1600, qu'est-ce que je dis, il y a 400 ans. Le Coran de Mahomet. Donc, je récupère des fonds pour acheter ce genre de livre. Pour un projet d'exposition itinérante, j'ai beaucoup d'objets que je peux présenter, mais ça suffit pas, il en faut plusieurs. J'en ai loupé un très bien il y a très longtemps, mais j'avais pas l'argent. C'était un morceau du revêtement de la Kaaba qui se vendait qui a été vendu à Cholet dans les 5 000 euros, ça veut dire 6 000-7 000 euros. J'espère que c'est pas un boucher ou un commerçant qui l'a acheté pour l'accrocher à son mur, quoi. C'est très dommage. Voilà, salam alaikum.